Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, nous avons débloqué Azurbanipal. Que vaut-il? On va voir les premiers rapports, ce qu'il vaut en rallye notamment, puisque c'est là qu'il semble être le plus fort. Mais avant cela, les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater les amis, vous y retrouvez les rapports déjà sur tous les commandants, les guides, les tips, les leaks, bref, tout est sur le Discord les amis, venez nous rejoindre. Regardons donc ce nouveau commandant, le MGE vient de se finir et pour ceux d'entre vous qui ont la chance d'avoir fini dans le top 15 du MGE de leur royaume, ils ont pu débloquer Azurbanipal. Azurbanipal, sur le papier, il est plutôt pas mal. Alors, moi, j'ai débloqué la première compétence en 5. J'ai fini 3ème du MGE. Je me suis fait voler la 2ème place. Hein. D'ailleurs, petite histoire, hein, on s'est fait. Je me suis fait voler la 2ème place. Mais le roi m'a chargé hein, de faire un peu le ménage. Donc, cette alliance-là, qui est l'alliance de dissidents, eh bien, ils vont tous être 0, tout simplement. Hein, 30 joueurs, ils vont être 0 et on va leur demander de quitter le royaume. Hein, on va leur faire un petit coup de pression et ça va régler l'histoire. Revenons-en à Azurbanipal et au rapport, on se remet dessus. Est-ce qu'il faut l'expertiser? Est-ce qu'il faut attendre? Eh bien déjà, je peux vous le dire, comme Herman Prime, il faut attendre d'avoir davantage de retours de nos méga baleines qui ont beaucoup trop d'argent et qui ont tout expertisé rapidement et qui vont nous donner plein de rapports. On va voir des rapports en rallye. On commence par les compétences, un petit rappel. Hein. Sa compétence numéro 1 du Nil au Tigre, elle inflige, non déjà elle coûte 1000 de coups de rage, classique, excepté certains commandants éclatés comme Edouard, hein. On est toujours sur du 1000. Multiplicateur de dégâts directs jusqu'à 1500 de dégâts directs une deuxième fois, puisque on est sur 1000. Là, on est quand elle inflige des dégâts supplémentaires à la cible actuelle de la troupe de ce commandant. C'est vraiment un dégât bonus en plus. Ça fait un total de 2500. C'est pas mal du tout. Évidemment, on est sur un dégât qui va en éventail. Ils le disent là, jusqu'à 5 troupes ennemies en cône. Bien sûr, et pas en éventail, en cône, avec 1500 et 15% de moins par cible. Bref, on connaît ce skill. Regard d'aigle, 5% d'attaque pour les archers en plus. Hein, quand elles sont hors du territoire de l'Alliance, ces unités d'archerie gagnent aussi 5% de défense et 3% de vitesse de marche. Ça va jusqu'à 20% d'attaque, 20% de défense et 15% de vitesse de marche. Troisième skill, conquérant d'élam ou d'élan. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs, je vous avais déjà demandé comment ça se prononce. Est-ce que c'est élam ou élan? Je dirais élan. La troupe de ce commandant affiche 5% de dégâts de compétences en plus. Chaque fois que sa troupe utilise une compétence active quand elle attaque une ville ou un bastion. Pour ça, hein, commandant de rallye, hein, 5% de dégâts en plus sur les dégâts normaux. Elle inflige 5% de dégâts normaux en moins. La cible inflige 5% de dégâts normaux en moins durant les 3 prochaines secondes avec une recharge de 5 secondes. Bonus de dégâts de compétences, ça va jusqu'à 20%. Et réduction des dégâts normaux, ça va aussi jusqu'à 20%. Dernier skill avant l'expertise, réduction des dégâts normaux qui va jusqu'à 15%. Bonus de dégâts de compétences, 3%. On reste flat là. 3% quel que soit le niveau d'expertise, puis le cumul hein, qui va de 3 à 10 ticks sur l'effet cumulable hein, pour les 3% de dégâts de compétences pendant 10 secondes. Et on finit avec l'expertise, compétence passive. Chaque fois que la troupe de ce commandant utilise une compétence active, elle gagne un des bonus suivants pendant 4 secondes aléatoirement. 30% d'attaque, 30% de santé, là c'est de loin le mieux, 30% de défense, la troupe inflige 20% de dégâts normaux en plus, la troupe inflige 20% de dégâts de compétences en plus. Vous le voyez, il n'y a pas stipulé de limite de temps, on gagne cet effet, mais ah si, 4 secondes, pardon, je ne l'avais pas vu, j'étais passé à côté, elle gagne un bonus suivant pendant 4 secondes uniquement, en plus je l'ai dit. Donc ça avait bien été précisé parce qu'il y avait un bug pendant un temps sur une des versions du client et ça ne s'affichait pas. Bref, c'est rectifié pour nous en français, il n'y a pas de sujet. Donc sur le papier, ça a l'air d'être un excellent commandant pour faire des rallyes notamment en archerie. On se dit, on le met avec Henri V. On va voir ça tout de suite et on va parler également d'un nouveau système qu'ils ont mis en place. Regardons déjà
Le premier rapport, avant de parler du nouveau système, c'est un rapport classique. Henri V, je vous le disais, hein, ce qui paraît être le binôme naturel sur les rallyes avec Azurbanipal. Henri V, Azurbanipal, en attaque sur un flag, les 62 DJ face aux 185P. Moridin, Altor face à Wixwims. Gorgo, Constantin en défense. Alors, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais c'est pas le plus éclaté du monde. Évidemment, sur ce genre de binôme, là, on a l'avantage Henri V et Azurbanipal. 1 891 000 troupes d'un côté, plus les renforts. 1 987 000 plus les renforts. Quand on voit le nombre de légèrement blessés, c'est sûr, il y a eu beaucoup de renforts. En nombre de morts, c'est pareil. 865 000 d'un côté. Il y a même moins de morts du côté de Gorgo. On est à 845 000, mais 262 000 de blessés, sévères en plus. Même le cumul, ça fait 1 100 000. Ça ferait 865 000 à 1 100 000. Comment explique-t-on cet écart de puissance? Un, donc, les blessés graves, mais surtout le fait qu'il devait y avoir majoritairement dans le flag de Gorgo des T5, alors que de l'autre côté, on a des T5 et des T4 en mixte. Et regardez la petite étoile en bas, c'est le nouveau système dont je vous parlais. Pour ceux qui ont raté la vidéo de la mise à jour, ont raté l'une des dernières mises à jour, je l'ai recherché, je ne l'ai pas retrouvé, hein. C'est le nouveau système de mérite qui a été mis en place par Lilith, hein, qui existe déjà sur l'un de leurs autres jeux, à savoir Call of Dragon. Comment fonctionne le mérite? Puisque c'est l'une des questions que vous avez posées quand vous avez vu ces premiers rapports apparaître sur le Discord de la chaîne. Comment fonctionne le mérite? Certains pensent que c'est de la balle. Moi, je trouve que c'est un petit peu éclaté, encore une fois, hein, c'est pour compenser des choses qu'ils nous enlèvent in-game, hein, mais au final, ça compense rien du tout. Eh bien, c'est très simple. Avant de passer aux autres rapports, regardons déjà, mais clôturons sur celui-là. Victoire d'Henri V à Azurbanipal, sans surprise à ce stade-là, même si ce n'est pas une victoire large, hein, ça reste une victoire. Passons donc au système de mérite. Comment va se présenter le système de mérite? C'est assez simple. Vous gagnez des points, comme c'est le cas là, pour chaque attaque, pour chaque combat de PVP. Quand vous gagnez vos points, après, vous allez avoir un store. Alors, est-ce que le magasin va être ici avec au poste de messagerie? C'est possible. On va peut-être avoir un nouvel icône en plus. Est-ce qu'ils vont le rajouter au niveau du store VIP ici? C'est possible ici. Alors, il me semble qu'il y a nulle part où on a plus de 3 icônes. C'est pour ça que je ne sais pas bien si on a le forum d'état où on a plus de 3 icônes avec 3 icônes, avec l'accélérateur. Donc, ça pourrait être au magasin VIP ou au magasin d'académie, ou au magasin du poste de messagerie. Bon, le plus classique et le plus logique, ce serait que ça aille au poste de messagerie. Donc, comment ça va se présenter? On va prendre le store VIP. On peut avoir ici ou ici un icône en plus, vous avez autre où vous allez avoir le mérite et vous allez avoir un certain nombre d'items que vous allez pouvoir acheter via ce mérite. Attention, dans Call of Dragon, le mérite, vous le perdez toutes les semaines, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas cumuler du mérite par anticipation pour acheter des items plus gros, plus importants, sachant que le tirage des items qu'on peut acheter en mérite, hein, se renouvelle tous les jours. Toutes les semaines, votre mérite est remis à zéro. Vous en gardez qu'une petite partie. Sur Call of Dragon, c'est 20 000. Vous conservez chaque fin de semaine 20 000 mérites si vous n'avez pas dépensé. Et tout le surplus est supprimé pour vous obliger à dépenser et acheter même des items dont vous n'auriez pas besoin si les tirages aléatoires sont mauvais ou si tout simplement ce qu'on vous propose, hein, c'est bien, mais ça ne vous convient pas. Donc, c'est en cela que ce système n'est pas performant, c'est qu'il vous oblige à acheter et en plus les items sont très limités. Et faut savoir que quand Lilith rajoute un système comme celui-là, c'est au détriment d'autres systèmes où il diminue les récompenses. C'est quelque part pour eux pour équilibrer, mais c'est surtout le moyen pour eux de mieux contrôler ce qu'achètent les joueurs. Donc, il se pourrait que ça soit pas une dinguerie. Après, ça peut aussi se retrouver au niveau du store d'alliance. Ça serait logique que ça soit ici, hein, un nouvel onglet ici qui permettrait d'acheter comme les points d'alliance. Bon, c'est mieux que rien, vous me direz. Non, moi, je préfère qu'ils laissent, qu'ils arrêtent de nerfer les events, qu'ils arrêtent de nerfer les récompenses qu'on obtient sur les barbares et sur d'autres events, encore une fois, et qu'ils ne rajoutent pas ce système de mérite qui est totalement éclaté. Vous le verrez, vous vous dites peut-être que je raconte n'importe quoi, mais vous verrez à terme,
vous allez être déçu par ce système, forcément, comme l'ont été les joueurs dans Call of Dragons hein, par rapport à Rock. Continuons les rapports et voyons ce que donne sur d'autres combinaisons et d'autres défenses notre ami Azurbanipal avec Zugliang notamment. Zugliang, Azurbanipal en attaque de forteresse, hein, le 11-88 face au OG. C'est pas n'importe qui hein, du coup. Gorgo, Heraclius, là on est sur une défense très solide et en plus une défense avec Heraclius, on va pouvoir mettre n'importe quoi comme avec YSS. On a du renfort, 3 millions d'un côté et 2 millions 995 de l'autre. Évidemment, il y a eu du renfort, mais là, l'écart, il est quand même violent. 1 million et demi de puissance perdue pour le 1188. Quand Wildfire des OG, lui, a pris ultra cher, il a pris moins 4,6 millions. Là, c'est pas la même. En termes de mort, 182 299 pour Zugliang Azurbanipal et 633 000 pour Gorgo. Franchement, elle a pris ultra cher. Plus de 3 fois plus de morts, plus de 3 fois plus de puissance perdue. De toute façon, on le voit bien. En termes de blessés légers, c'est du simple au quadruple également. Franchement, là, ça a été une raclée. Il n'y a pas eu photo sur ce rapport. Donc, Zugliang Azurbanipal face à Gorgo Heraclius, hein, ça a été très violent, sachant que, je ne sais pas pour Pyrénées, mais il est sûr que Wildfire, c'est un très gros joueur. Avec lui, les deux commandants sont au max, les techs sont au max et les équipements sont également au max. Il n'y a aucun doute, hein, vu la méga baleine qu'est Wildfire. On continue, puis c'est les OG. Hein. Les OG, ils ont que des méga baleines, même s'ils ont perdu leur KVK. On continue cette fois avec un joueur des FSK1 hein, face au CA82. On a d'un côté Henri V, Azurbanipal, face à Zugliang, Zenobia. Et là, ce rapport, il fait quand même parler. Regardez, si on lit linéairement, moins, je vous le dis souvent, il faut se méfier des rapports et bien les étudier. Autant les deux premiers, il n'y a pas de discussion, autant celui-là, il y en a. On a d'un côté, donc, moins 828 000 de puissance perdue. De l'autre, on a moins 10,1 millions. On a un ratio de x 12. Henri V, Azurbanipal, Zugliang, Zenobia. Donc déjà, il est sûr, Zugliang, Zenobia, c'est n'importe quoi en défense. Forcément, vous allez vous faire péter la bouche, mais d'une violence, c'est évident. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, si c'est un bug d'affichage et que ce n'était pas la défense première, mais c'était éclaté. En termes de troupes, il n'y a pas eu énormément de renforts. Regardez le nombre de morts. 120 000 d'un côté, 1 480 000 de l'autre. Ça a été extrêmement violent. Encore une fois, on a un ratio de x 12 en nombre de morts. Il n'y a pas photo, ils se sont fait péter la bouche. Pareil hein, sur les légèrement blessés, 92 000 d'un côté, 1 200 000 de l'autre. Ça a été une boucherie et encore une fois, on a des points de mérite. 23 millions d'un côté, 1 700 000 de l'autre. Franchement, c'est un carnage. Ce rapport-là, il y a un problème, c'est sûr. Alors, déjà, le problème numéro 1, vous le voyez tout de suite. Hein. Level 51 pour Zugliang. Zugliang n'est même pas 60. Donc, je pense qu'il est possible, même si ça ne veut rien dire, il est possible que Zugliang ne soit pas expertisé, Zenobia ne soit pas forcément expertisé, que le joueur qui est en défense, hein, niveau tech, il est un petit peu éclaté et niveau stuff également. Et il se retrouve face à un Henri V Azur qui est full stuff légendaire, qui est full stuff en recherche technologique. J'avais du mal à le trouver. En recherche technologique. Et forcément, quand je vous dis que Lilith ne fait que des mises à jour pour les baleines et que l'écart entre les méga baleines et le reste du monde commence à devenir énorme, eh bien, ça peut donner ce genre de rapports qui sont tout simplement des boucheries et où la forteresse devient indéfendable. Quand l'adversaire prend 120 000 morts et que vous en prenez 1 500 000, franchement, il n'y a rien à faire à part retourner dans sa zone 4 hein, et aller pleurer tranquillement chez sa mère. On continue donc avec les rapports. Il en reste encore 3. Regardez celui-là. Alors déjà, mention spéciale pour la résolution qui est parfaite. Hein. Henri V, Azurbanipal, encore une fois, face cette fois à Zenobia et Aetius Flavius. Ce n'est pas le meilleur des binômes actuels en défense, mais ça reste quand même très solide.
moins 2,7 millions hein, pour les 62 JP d'Azure Banipal. Les 185 PE ont pris moins 5,7 millions, donc un petit peu plus de x2. En termes de renfort, comme du nombre d'unités, bon, c'est équivalent à 1 999 999, 1 858 000. Bon, ça a renforcé massivement. Et regardez le nombre de morts. 358 000 du côté d'Henri V, 486 000 du côté de Zenobia. Là, on a le même type d'unité puisque on rajoute à ça hein, les blessés légers. Et on est bien dans le même ratio de perte de puissance. Donc, on a à peu près un volume équivalent de T5 et de T4. Hein. Mais il n'y a pas photo, encore une fois. C'est Azure Banipal avec Henri V. Je vous le disais, hein, Azure Banipal, Henri V, c'est le binôme naturel sur lequel il faut aller si vous êtes rallye leader ou si vous voulez un rallye solide, en tout cas, pour tout ce qui est attaque de fort, de bastion, de flag. Ça reste de l'extrêmement solide. On continue. Avant dernier rapport, on change un petit peu avec Henri V, on prend Zugliang, Azure Banipal, face à Gorgo Constantin. Alors Gorgo Constantin, c'est pas totalement éclaté, mais encore une fois, c'est pas ce qui se fait de mieux selon moi en défense. Et là, on a encore une fois moins 5,3 millions pour Zugliang, Azure Banipal, moins 8,4 millions pour Gorgo. Donc là, il n'y a pas de défaite puisque ça n'a pas cessé de renforcer, ça a juste annulé le rallye. Hein. Mais en nombre de morts, on est plutôt équivalent. Regardez, 695 000 morts du côté de Zugliang Azure et du côté de Gorgo, 736 000 avec 228 000 blessés graves. Donc ça s'est bien tenu, ils ont raison d'annuler. Ils se faisaient masteriser là, franchement j'allais dire mazdaquiser, mais ils se faisaient mazdaquiser. Ils étaient vraiment en PLS, donc c'était trop équitable, trop juste. Hein. Sachant que moins 8,4 millions tout de même, ça reste un léger avantage hein, à Zugliang, mais pas suffisant pour tenir dans le temps, c'est pas assez favorable. Là, il faut changer soit de binôme, soit de rallye leader, soit tout simplement lancer des doubles ou des triples rallyes pour avoir des meilleurs trades. On finit avec le dernier rapport, les amis. Et cette fois, on est sur Gorgo Heraclius en défense face à retour de Gilgamesh Azure Banipal. Et là, on a moins 6 millions du côté de Gorgo, moins 3 millions et demi du côté de Gilga avec Azure. En termes de morts, encore une fois, c'est équivalent. Et encore une fois, le rallye a été abandonné. Forcément, 525 000 morts du côté de Gorgo, 519 000 du côté de Gilgamesh. Sauf que là, bon, quand même, on peut constater, même si on rajoute les blessés légers, hein, ça ne fait pas le joint en termes de différence de puissance. Plus de T5 de perdu du côté de Gorgo, plus de T4 hein, du côté de Gilgamesh Azure Banipal, ce qui explique cet écart de puissance. Voilà pour les premiers rapports. Évidemment, ils vont pleuvoir. Donc, je vous en montrerai probablement d'autres dans les jours et les semaines qui viennent, les amis, pour qu'on se décide. Si vous êtes rallye leader, que vous aviez déjà un bon binôme avec Henri V Zugliang en rallye ou Henri V Boudica, ça le faisait aussi, eh bien, il faut que vous expertisiez Azure Banipal. Vous aurez la nouvelle méta Azure Banipal Henri V, mais sinon, excepté ce qui apprécie, hein, vaut mieux attendre de voir ce que vont donner les prochains rapports, sachant que pour Emma Herman Prime, la règle est simple, si vous avez déjà Boadice Prime, hein, il n'y a pas d'utilité pour le moment, regardez premier rapport, hein, de se précipiter pour expertiser Herman, Boadice avec Zugliang par exemple, hein, fait déjà un beau taf. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.